Maman, tu sais qu'on t'a bien tressé, hein? C'est vraiment bien fait. C'est joli, hein? Elle t'a bien fait ça. C'est bien dressé, hein? Regarde, même ici. Merci. Regarde, elle a vraiment bien tiré ça. Maman, qu'est-ce qu'on t'a passé aux cheveux? C'est coupé? Non. Je te dis, touche de ce côté. Ah! Touche ça. Ça, je n'ai pas vu. Hey! Tu vois? La femme d'Ikechukwu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois la femme d'Ikechukwu? Hein? Je la prendrai. Je la prendrai. Parce que c'est elle qui m'a amené là où on m'a tressé les cheveux. Elle a dit que c'est là où on la tresse aussi. Hey! Cette Catherine, elle est très méchante. Très très méchante. Je vous en parlais depuis longtemps, vous ne voulez pas me croire. Catherine est très très méchante. Regarde ce qu'elle a fait à mes cheveux, regarde. Hey! Ah! Hey, hey, maman. Tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est? Oncle Lebo m'a dit qu'il continue toujours à avoir ce rêve. Qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans la parcelle. Et cette personne-là était une femme. Il sera le premier à mourir. Ebo ne voit jamais de bonnes choses. Il voit toujours de mauvaises choses. Il mourra en premier. Mais maman, ça commence à me faire peur. Te faire peur pourquoi? J'ai peur de ce rêve. C'est pas la peine d'avoir peur. Mais s'il dit qu'il a vu une femme, c'est que ça doit être la femme d'Ikechukwu. Ah, maman! Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ne dois-je pas dire ça? Est-ce moi qui l'ai dit? C'est ton oncle qui l'a vu dans le rêve. Maman, pardon. Essayons un peu de prier et jeûner. Afin de chasser cet esprit. Qu'un esprit diabolique te visite cette nuit si tu le répètes encore. Hey, maman! Hein? Toi, tu ne sais pas que si Catherine meurt, c'est une bonne chose. N'est-ce pas elle qui a demandé à Ike de nous chasser, moi et Okudi, les deux, sa maison? Laisse-la couper mes cheveux si elle veut couper mes cheveux. Qu'elle vienne encore couper mes cheveux. Je ne mourrai pas. C'est Catherine qui va mourir. C'est ton oncle qui l'a vu, pas moi. Laisse-la mourir. Elle mourra avant moi. Tu verras. Maman, je t'en prie, arrête un peu de dire ça. Est-ce moi qui l'a rêvé? Laisse-moi tranquille. Okudele, bon après-midi. Comment tu vas? Okudele, c'est arrivé maintenant, c'est comment? Oh. C'est aujourd'hui que tu reviens, depuis hier, et tu me demandes comment. Oh. Je sais que tu as déjà commencé à gaspiller l'argent. Un nouveau polo et un nouveau jean. C'est l'argent qu'Okechukwu t'avait donné. Mais il ne m'a pas donné ce dont j'avais besoin. Avec le peu qu'il t'avait donné, tu pouvais bien commencer quelque chose. En quoi est-ce que ça te concerne? Si moi je dépense l'argent, en quoi est-ce que ça te concerne? Dis-moi. Bientôt ça va finir, tu viendras encore manger. La ferme, qui va devenir mendiant? Même si cet argent finissait, est-ce que toi, tu as de l'argent à me donner? Des fois, c'est comme si on a changé ton cerveau à celui du cheval. Un cheval! Chicha, es-tu en train de m'insulter? As-tu vraiment oublié que je suis ton frère aîné? Et c'est moi qui suis responsable de cette maison. As-tu oublié cela? Fils aîné, enfin! Comment peux-tu te comporter comme un petit garçon toutes les années? Tu n'as pas honte? Qui t'a fait ça? Yayanangai! Le féticheur qui m'a fait ça est déjà mort. Ce qu'on a dans le caillou. Hein? Qui t'a ensorcelé? Tu ne devais pas déjà être chez toi? Au moment où tu es encore dans cette maison. Désolé. Va chercher un mari et tu te maries, c'est tout. Tout ça, c'est ma parcelle. Désolé. Regarde-toi un peu. Tu n'as même pas honte. Tu veux même parler devant moi. Hey! Est-ce que tu peux être ma soeur? Tu n'es même pas ma soeur. Insensé. Regarde-moi. J'ai de l'argent dans mes poches. J'ai de l'argent dans mes poches. Hey! Ah, elle n'a même pas honte, celle-là. Chéchi, maman, que cette visite s'arrête maintenant. Je veux plus de ça. Maman, j'irai toujours le rendre visite. Jusqu'à cet âge, tu dois me montrer qui je dois visiter. Je l'ai dit et ça reste comme ça. Maman, tu devais avoir honte. Ta fille est née célibataire et tu ne fais que crier. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si ça te gêne pas, maman, moi, ça me gêne. Tu n'épouseras pas cet homme pauvre. Tu ne l'épouseras pas. Je suis assez grande. Papa t'avait marié à quel âge? N'est-ce pas à 15 ans? Moi, j'en ai 40. C'est à quel âge tu as eu Okudele? Alors? Donc tu peux pas me traiter comme tu traites Okudele, ton fils aîné, comme un petit bébé, un vieux garçon en plus. Ton nom est un problème, mais les problèmes les plus importants ne te concernent pas. C'est à moi que tu parles comme ça, Uchechi. Hein? C'est à moi que tu parles comme ça. Maman, des fois je me demande vraiment si tu nous aimes autant que tes enfants. Ne t'en fais pas. J'avais promis à Onaï, si vous êtes pas vigilant, je me marie avec ce vieillard.
tu ne l'épouseras pas. C'est lui que je vais marier, maman. Tu m'avais demandé de chercher un mari. Maintenant, tu me dis de ne pas me marier avec lui. Je vais me marier avec lui. Tu ne vas pas l'épouser. Tu verras, je vais me marier avec lui. Oui. On verra. Oui. Que je le voie dans cette parcelle. Que je le voie venir ici. Où es-tu? Maman. Ok, on verra. Laisse tomber, tu as perdu mon bébé. Tantine, j'ignorais-la. Agnès! Oui, Tantine. Agnès, s'il te plaît, viens prendre le bébé. Dépêche-toi! Donne-moi ce bébé. Prends le sac. Bébé. Bébé. N'importe quoi. Bébé, notre bébé. Arrête de pleurer. Maman, je ne comprends toujours pas ta mission ici. Pourquoi es-tu venue? Donc je ne suis plus la bienvenue dans ta maison. Ok. Je suis venue voir mon premier petit-fils. Quel petit-fils, maman? Quel petit-fils? Je suis venue te supplier au village. Quand ce garçon était né, qu'on avait besoin de ton aide. Mais tu avais refusé. Si ce garçon était important pour toi, tu serais donc venu. J'étais encore fâchée contre toi. Hein? Mais sinon tu n'es plus fâchée. Hein? Hé, hey, Ikechukwu, si tu n'apprécies pas ma visite, dis-moi je veux partir. Oh? Bien, puisque tu es venu voir ton premier petit-fils, je te permets. Bon, après tout, c'est ça la coutume. Mais s'il te plaît, laisse-moi être clair, je ne veux pas de problème. C'est qui cette fille dans ta maison? Oh, Agnès. C'est ma domestique, une fille très gentille. Je ne l'apprécie pas. Tu vois? Tu as déjà commencé. Ne t'en fais pas. Je ne reste pas pendant longtemps. Que tu restes pendant longtemps ou pas, ça n'a aucune différence. Rester avec toi-même pendant une minute n'est pas facile. Même pas du tout. Si je te mets de trouble. Je ne sais pas. Aïe, Kachukwu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc c'est interdit de donner son opinion dans cette maison. Bien. Même si tu parles, je m'en fous. N'importe quoi. Hé, hey, Chezola, rassure-toi de venir au travail avant 7h30 le matin. Oui, demain. J'ai une réunion importante à 8h, ok? Ike, je ne veux pas dormir dans cette chambre. Mais maman, c'est là où tu dors souvent quand tu es à Lagos. Mais ta boniche est là. Notre chambre n'est pas appropriée pour le bébé. C'est comme ça qu'on l'avait trouvé un babysitter. Je ne veux pas dormir là. Oh, ok. Alors voudrais-tu passer une nuit dans la chambre que tu occupais quand il était ici? Ça ne me plaît pas vraiment. Ok. Puisque tu es ici pour le bébé, voudrais-tu alors passer une nuit à côté du bébé quand Agnès ira dans une autre chambre? Non. Alors maman, où vas-tu passer nuit? Je veux passer nuit avec vous deux. Dans notre chambre? Ikechukwu, l'autre fois quand je suis venue, j'avais peur. Maman,
Ça, c'est vraiment difficile. C'est trop difficile. Kike, c'est comme si tu ne comprends pas. Regarde. Vous dormirez sur le lit et moi, je dormirai par terre. Juste pour passer une nuit, mes histoires resteront là-bas. C'est toujours incompréhensif. Peu importe. C'est juste pour un temps, juste un peu de temps. Hein? Merci beaucoup. Maman, dis-nous que tu veux dormir dans la chambre du bébé et dans ces cas, Agnès ira dans une autre chambre. Non, je veux que vous puissiez me protéger. Mais, maman, tu ne nous as pas fait part de ton vrai problème. Est-ce qu'on peut le connaître? Des cauchemars, la peur. Quand je dors avec les gens, ça ne vient pas. Hein? Ma fille, s'il te plaît, supporte-moi juste pour un temps. Hein? Je vais passer toutes les nuits ici avec eux et on verra si elle tombera de nouveau enceinte.
Tu veux me voir? Oui, je vais te voir. Qu'est-ce que signifie ce que tu as fait la nuit passée? Comment? Si c'était une blague, tu ferais mieux d'en trouver une autre. Car ce n'est pas intéressant. Ikem, tu ne comprends pas. Et j'en ai même pas le moindre envie. Ni t'étais une chose, tu aurais regretté ce que tu as fait la nuit passée. Parle comme tu veux. Je te connais. Lorsque tu prends l'igname avec l'eau épicée, tout ira mieux. Il fallait le prendre depuis longtemps, mais... Maman, j'espère que ça n'a pas d'inconvénient pour moi et le bébé. Non, pas du tout. C'est très bien surtout pour les femmes qui allaitent. Ok, prépare-les. Mais s'il te plaît, ne mets pas assez de piment. Je ne ferai pas. Ok, que j'aille le faire maintenant. Je veux faire du shopping. Les lavabos. Maman, désolée, c'était une erreur. Désolée, maman, pardonne-moi. Tu connais les conséquences de ce que tu viens de faire? Maman, hein? Ton supplie, pardonne-moi. C'est quoi le problème? Kate, regarde. Cette méchante fille a jeté toute la nourriture. Elle a renversé dans le lavabo. Qu'est-ce que tu as foutu? C'est par erreur. Je voulais faire descendre la casserole, mais la casserole était trop chaude. C'est ainsi que ça s'est renversé dans le lavabo. Je ne l'ai pas fait expressement. Ce l'étonne-t-il? Je t'ai demandé de le faire descendre. Hein? Méchante fille! Regarde comment elle est courte. Maman, ça va. Tu pourras préparer une autre. Elle a tout renversé. Regarde comment elle est courte. Courte de taille. Idiote. Cette fille a détruit ma mission. Est-ce qu'elle a su qu'il y avait quelque chose dedans? Mais j'étais seule dans la cuisine quand je préparais. Cette fille est une sorcière. Elle est une sorcière. Hey! Si Catherine mangeait cette nourriture, elle n'allait plus concevoir. Elle va quitter cette maison. Elle doit quitter. Je ne serai pas en paix tant qu'elle sera dans cette maison. Cette sorcière-là. Tontine, rappelle-toi que tu m'avais demandé de braquer mes yeux sur cette dame. Cette dame est vraiment malice. Je connais sa malice. Tontine, j'avais vraiment une intuition. Je savais que maman était en train de préparer un sale coup. Et je sais une chose. Qu'elle me déteste vraiment, ça s'est lu sur son visage. Alors je m'étais décidée de la suivre sur le point de pied à la cuisine. Je l'avais surprise avec une poutre. Elle avait mis ça dans la nourriture. Et elle a remué la casserole jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Hein? Alors je l'avais suspectée. Connais-tu la quintessence de tes mots? Oui, tante. Je l'avais vue de mes propres yeux. Ou quoi? Je ne sais pas, tontine. Attends un peu. Où se trouve mon fils? Il dort dans sa chambre.
Agnès, s'il te plaît, amène-moi mon fils avant qu'elle n'accomplisse sa mission. Cours, cours vite, dépêche-toi. Hey! Monsieur Copperon? Oh, content de vous parler. Oh, la marchandise est déjà en cours. Je suis content, très content. Ouais, écoutez, je suis vraiment heureux de voir que la marchandise est en cours, monsieur Copro. Ouais, vous savez que je ne dépends que de vous. Et on a même entrepris beaucoup d'affaires ensemble. Ouais. Ouais, je vous passe un coup de fil dès que la marchandise arrive, ok? Oh, très bien, monsieur Copro, très bien. C'est gentil de votre part, monsieur Copro. Ah, c'est très bien. Je vais vous appeler, ok, hein? Ouais, passez une bonne journée. Bye bye. Oh, monsieur Copro, c'est très gentil. Très gentil de faire affaire avec vous, monsieur Copro. Oh mon Dieu. Allô, Alibank? Mon amour, est-ce que tu peux venir vite, s'il te plaît? Chérie, apaise-toi, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 il n'est pas question d'en parler au téléphone, s'il te plaît. Reviens pour l'amour du ciel. Oh, 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 ok, relax. J'arrive. J'arrive tout de suite. Ok? Ok, ok. Bye bye. Oh, mon Dieu. Maman, est-ce vrai ou pas? Tu ne dis absolument rien. Je vais appeler Agnès de venir témoigner devant toi sur ce qu'elle a dit à Kate. Agnès! Ah, je n'ai pas empoisonné la nourriture. J'ai mis quelque chose qui l'empêchera de concevoir. Je veux que tu épouses une autre femme. Hé? Hey! Alors maman, si Agnès n'était pas venue, tu allais continuer? Ce n'était pas pour te tuer. Si je voulais te tuer, j'allais te tuer depuis longtemps. La Bible dit, tu ne tueras point. J'ai passé nuit dans votre chambre. Je vous surveillais toute la nuit juste pour me rassurer que vous ne faites plus de bébés dans cette maison. Hey. Cette poussière était pour que tu n'aies plus jamais des enfants. Et tu as de la chance à cause de cette sorcière. Maman, tu es une sorcière! Tu es une sorcière! Oh, calme-toi, s'il te plaît, ça suffit. Calme-toi, ma chérie, ok? Entre à la maison. Juste entre et laisse entre mes mains. Sorcière! Juste va-t'en. Une chose très sale comme toi, là. Regarde sa bouche. Alors, maman, Dieu merci que ta mission ne soit pas accomplie. Dieu merci. Tout ce que je peux dire est que Dieu te pardonne. Jusqu'à ma mort, je n'aimerai plus jamais te voir dans ma maison. Tu comprends mon français, je ne veux plus te voir dans ma maison. Je t'aime. Mais c'est clair que tu ne m'aimes pas. Alors comment pourrions-nous encore vivre ensemble? Tu vivras, je m'en fiche de comment tu vas t'y prendre. Mais tu dois vivre. Et en ce qui concerne l'argent, je t'en donnerai pas car j'en ai pas. D'ailleurs, tu ne mérites pas ça. Tu me donneras cet argent. Tu me donneras l'argent. Oui. Maintenant, tu me provoques. Oui. Arrête ça, maman. Je ne partirai pas. Ne me pousse pas. Je ne partirai pas. Tu vas regretter après. Maman, qu'est-ce que c'est? Maman, c'est quoi ton problème? Au coup de l'œil, je t'explique tout ceci juste parce que tu es mon grand frère. Peu importe quoi, je te respecte. Ce que maman a fait est mauvais. Ça ne peut être toléré par personne au monde. C'est vraiment un acte condamnable. Ikechukwu, écoute-moi. J'ai du succès aujourd'hui pour le peu de soutien que j'obtiens de Catherine. Mais ce n'est pas elle qui va hériter cette compagnie. C'est toi qui vas hériter cette compagnie. Ouais. Tous les biens que je possède appartiennent à la famille. Si quelque chose m'arrivait aujourd'hui, c'est toi qui gérerais les affaires. Hein? Ouais. Mais, ce que je peux dire,
Mon problème est juste que Kate veut juste contrôler toutes les choses que je fais. Alors moi, ça me plaît pas du tout, je peux te dire. Kate aime tout le monde. Elle a un cœur en or. Elle est un ange. Elle me fait beaucoup de suggestions pour que mes affaires avancent. Mais vous la détestez. Vous la haïssez vraiment avec beaucoup de passion jusqu'au point que je commence à me demander pourquoi. Pourquoi Okudeli? Pourquoi? Honnêtement, comme tu viens de le dire, ce que maman a fait n'est pas du tout une bonne chose. Et je suis d'accord avec toi. Oui. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Rends-toi responsable. Viens habiter à Lagos et joindre la compagnie. Je t'ai nommé chairman délégué dans la direction des fondateurs. Hein? Ouais. Hey. Si seulement tu m'avais dit que... Comment pourrais-je? Hey. Quand tu t'es vraiment attaché à notre mère, comme si tu étais le seul et l'unique fils qu'elle ait mis au monde. Bien. Maintenant, tu le sais. Maintenant, j'ai compris tout. J'ai compris. Hey. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Je te le promets. En bref, j'ai changé. Ah! Bien. Ah. Voyons voir. C'est vraiment une chance pour moi. Ça va plaire à maman. Tu ne dois rien craindre. Ta maman est là. Elle va te protéger, ok? Agnès! Ah, Kate! Agnès! Tontine! Comment allez-vous ici? Bébé! Oui, tontine, je suis là. S'il te plaît, place-les dans son berceau. Ok. Kate, pardon, je suis vraiment venu m'excuser pour tout ce que j'ai à te faire. Je veux juste te dire que je suis désolé. Oui, du fond du cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te pardonne. N'es-tu pas l'aîné de mon mari? Oui. Je ne peux donc que te pardonner. Au nom de l'amour que je porte pour Ikechukwu, je dois pardonner sa famille. C'est juste que vous me comprenez mal. Je suis désolé de cette incompréhension. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je me suis aussi excusé auprès d'Ikechi. Oui. D'accord, pas de problème. Ça m'a vraiment enchanté. Allons à l'intérieur. Merci pour les pardons. Oui. Oh, laisse-les entrer. Laisse-les entrer. Ah, Spencer, Spencer. Je suis vraiment content de te revoir. Content mon cul, ouais. Je suis venu prendre mon argent. L'argent que je t'avais prêté et je ne sortirai pas d'ici sans cet argent. Oh, Spencer, mais écoute-moi. La marchandise est déjà en route, ok? Et tout va se passer comme prévu. Relax, je te paye dès que j'ai la marchandise, ok? Tu racontes des sottises. Je vois que tu blagues. C'est un jeu que tu veux me faire, n'est-ce pas? Non, 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 apaise-toi, Spencer. On est amis, rappelle-toi. Nous ne sommes plus amis depuis que ta mère m'avait insulté à cause de la nourriture. J'avais même oublié que moi et toi, nous sommes pas de même niveau. Écoute, Ike, j'ai assez blagué. Puis-je avoir mon argent maintenant? Oh, ok, juste donne-moi 2 semaines, ok? 2 semaines? Ouais, donne-moi 2 semaines et je vais te payer. Il n'y aura pas question de 2 semaines ici. Tu sais que j'aime beaucoup l'argent et j'aime bien le dépenser. Tu risques de perdre ta vie, mon cher. Tu ne connais pas la valeur de l'argent. Écoute, si tu ne me donnes pas cet argent dans les 48 prochaines heures, tu verras ce que moi je suis capable de faire.
Oh, ça suffit, Spencer. Ça suffit maintenant. Je te dois de l'argent, bien sûr que oui. Alors ne me menace pas. Écoute, Ike. Je ne fais pas du bénévolat. J'ai perdu patience. Veux-tu rester en vie? Rassure-toi de payer tout mon argent dans les 48 prochaines heures. Sinon, je vais dire à mes hommes de venir faire les ménages. Et tu regretteras de m'avoir connu. Rappelle-toi, 2 100 000 naira. Cash. Sois prudent. Après que mon beau-frère m'ait présenté ses excuses, il avait changé. Tout était redevenu normal. La vie avait changé. Il était reparti en village 2 heures après. Et je ne savais pas que dans 24 heures, le désastre devait arriver. Toute ma vie était devenue un cauchemar. S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, je t'en prie, ne me tue pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Clément, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui a fait ça? Je demande la vérité. J'ai dit la vérité. Tu refuses. Vas-y, parle. J'ai ouvert ma bouche. J'ai ouvert ma bouche. J'ai ouvert ma bouche. Je te parle. J'ai ouvert ma bouche. Je demande la vérité. La vérité. Je vous dis la vérité. Non, j'ai dit la vérité. C'est pas vrai. Non. La ferme. S'il vous plaît. La ferme. Je ne veux rien plus. Vas-y, parle. Non. Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi tu l'as tué? Vas-y, parle. Non. Thank you.
Repose en paix. Ike Chukwu, celui qui t'a tué ne restera jamais en paix. Qu'il ne vive pas, qu'il meure de la même façon que toi. Bats-toi, tu es un homme. C'est pour cela que je t'ai donné une machette, pour que tu te battes contre cette personne qui t'a tué. Maman, nous sommes une famille chrétienne. Pourquoi ça? J'insiste en disant que la femme dit que Chukwu doit partir. D'après tout, pourquoi elle est ici? Maman, je ne peux pas faire ça. Après juste un mois, après l'enterrement de Chukwu, tu veux que je chasse tous ses enfants de sa maison? Je ne peux pas faire ça. Si tu ne veux pas, moi je le ferai. Je le ferai. Maman, pourquoi tu peux faire des choses comme si c'était elle qui avait tué Chukwu? Comment? Hein? Je sais que ce n'est pas elle qui a tué Chukwu. Hein? Mais celui qui a tué mon fils ne restera jamais impuni. Amen. Il sera puni, peu importe le temps. Elle est innocente. Mais qu'elle parte. Je n'apprécie pas cette fille. Sa présence m'énerve. Maman. Maman, permets-lui de faire son deuil, s'il te plaît. Et nous allons lui demander si elle va vouloir rester ou si elle va partir. S'il te plaît. Cela est impossible. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Maman, tu es la seule qui va décider. Ou bien c'est la décision de toute la famille ensemble. Mais maman, même toi aussi, tu es une femme. Hein? Maintenant, tu sais que je suis une femme. C'est maintenant que je deviens femme. Hein? Si c'est ta famille qui doit décider, qu'il décide maintenant. Sinon, je ferai ce que doit faire une femme. Je le ferai. Maman, je ne suis pas content avec tout ça. Mais pourquoi tu réfléchis vraiment comme ça? Maman, regarde. Toutes les choses que Ike Chukwu avait restera pour elle. Juste sois tranquille. On verra. Okudili, on verra. Maman, écoute. D'ailleurs, vous êtes tous écoute, le même. Maman, écoute-moi d'abord. C'est pas que je ne dis pas que tu es en train de faire si c'est quoi. Je dis simplement que je ferai ce que doit faire une femme. Non, écoute-moi. Je le ferai. Ne dis pas je le ferai. Ça. Écoute, maman, nous devons d'abord réfléchir avant de mais faire quoi que ce soit. Mais qu'elle parte, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. Essaie un peu de me comprendre. Maman. Pourquoi tu me rends la vie aussi difficile comme ça? Je n'ai pas de problème avec toi. Réfléchisse ensemble. Je te dis simplement que je ferai ce que doit faire une femme. Que ta famille fasse sa part. Non, c'est pas comme ça. Ça tu m'as entendu? Passer comme ça. Hein? Pourquoi tu es difficile comme ça? Moi, impossible. Fais ça alors vraiment comme tu veux. Moi, je vais faire ça comme je tu veux. Je m'en fous. Ah, ah. Pas. Fais ça comme tu veux. Regarde-moi celui-là. Kate. Je sais que tu essayes. Je reconnais que tu t'efforces. Je sais que tu aimais mon frère pour de vrai. Non, comme tu le sais, nous devons tout de même avancer. Okudeli, ce n'est pas facile du tout. Je sais, mais la vie avance. Écoute, je veux que tu puisses aller à Lagos. Comme ça, tu verras comment est-ce que les affaires d'Iketchi sont en train d'avancer. Et aussi cette affaire-là de transaction qu'il faisait. Essaye de voir comment est-ce que toutes les choses avancent, s'il te plaît, ok? D'accord, ce n'est pas grave. Si tu veux que je retourne à Lagos, je retournerai. Oui. Et quand tu vas rentrer, je voudrais savoir jusqu'à quel point ces affaires sont avancées. Ok, écoute. Je voudrais qu'on travaille comme une famille. Genre comme un frère et une sœur. Bien, j'ai compris. Mais tu ne trouves pas qu'il serait mieux que tu viennes habiter à Lagos? Faisons d'abord ce qui est important. Et le reste, on verra vraiment après. Et je te verrai à partir de là. Bébé, mon bébé, je peux pas être content de te voir. Mon bébé, ça va? As-tu fini ta nuit? Bien, merci beaucoup. Ça va toi? Tu vas aller faire un grand dodo. Oui, tantine. Souris. Akoulis, arrête de déranger mon bébé. Djedji, tu dois parler à Okudili, ton frère.
parle-lui, il devient trop têtu. Maman, mais où est Kate maintenant? Elle est rentrée à Lagos. Lagos? Oh. Pour faire quoi? Au lieu que Okudili Chukwu parte avec elle, il l'a laissé partir seul. Alors si en partant là-bas seule, elle vole tous les biens de Ike Chukwu. Moi, je trouve que je dois la suivre là-bas à Lagos. Non, non, maman. Tu n'iras nulle part. Pourquoi? Okudili est assez grand pour trouver une solution. Okudili n'est pas assez courageux. C'est un peureux. Hey, maman. C'est maintenant que tu le réalises. Ça, c'est l'argent. Tu avais aussi contribué dans ça. Ikechukwu, mon fils. Pourquoi est-ce que l'amour devait me séparer de toi comme ça? Qu'est-ce que je deviendrai maintenant? Maman, ne commence pas à me faire pleurer maintenant. Après tout, tu as contribué à la mort d'Ikechukwu, non? Moi? Sa mère? Comment? Est-ce que c'est moi qui l'a tué? Oui. Hein? Quand je te disais de prier et de jeûner contre les cauchemars, tu refusais. Tu pensais que c'était Kate qui allait mourir. Tu ne sais pas qu'un rêve devient réalité? Ça se réalise de plusieurs façons. Ike, mon fils. Ike, Chukwu. Maman, je m'en vais. J'étais venue voir Kate. Et comme vous l'avez déjà envoyé à Lagos, laisse-moi retourner à la maison de mon mari. Attends que j'aille t'accompagner. C'est plutôt à Dieu de demander pardon. Bonsoir, madame. Et tu, Zoma, comment tu vas? Enfin, ils t'ont relâché. Ah, c'est vraiment moi. Merci pour tout, vraiment. Merci d'être venu à notre secours. Je ne sais rien, vraiment, madame. Je ne sais rien à propos de ce meurtre. Ucho, Zoma. Oui, madame. Je sais que tu n'es pas le meurtrier de mon mari. Madame, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Tout ce qui me dérange, c'est que si seulement je pouvais attraper ceux-là qui ont tué mon boss. C'est bon. Je commencerai à quitter mon bureau avant l'heure pour m'occuper de mon bébé. Je sais que tu venais à peine de sortir de la prison. Mais je veux juste que tu me rendes en service demain matin. Retrouve-moi à l'agence de nettoyage. Je te dirai quoi faire. Mais madame, à cause de ce qui est arrivé, les marchandises ont été retenues à la douane. Juste parce qu'il n'y a personne qui est allé se prononcer pour les retirer. Oui, retrouvons-nous d'abord là-bas. Je ne pourrai me rendre au marché aujourd'hui. Mais j'irai plutôt demain. Ok, madame. Bon, réponds. Tu peux partir. Madame, merci beaucoup, vraiment. C'est bon. Itiezona. Oui, madame. Mon mari avait foi en toi. Dois-je te faire confiance? Oui, madame, faites-moi confiance. Ok.
Tu diras à l'agent de la sécurité de ne laisser personne entrer. Je veux aussi que tu rapportes au comptable et au DRH que j'aurai une réunion avec eux demain dans les après-midi. Sans problème, madame. Je vais faire les inventaires de la compagnie. Je tiens à connaître l'état financier pour bien travailler. Ok, madame. Merci. Merci, madame. Bonne journée, madame. Ichizuna. Oui, madame. Appelle la secrétaire. Je vais lui poser quelques questions. La secrétaire, madame. Ok, madame. Merci, madame. Je t'en prie. Maman, j'ai très faim en ce moment, je veux manger. Okodili, tu vois comment tu es stupide? Tu vois maintenant? Stupide! Tu es vraiment stupide. Maman, tu me traites de fou. Mange ta nourriture. Maman, je ne suis pas fou. Je ne suis pas du tout fou. Même si je suis fou, c'est toi qui l'as causé. Mais je ne suis pas fou. Monsieur qui connaît tout. Maintenant, dis-moi. Pourquoi est-ce que Catherine n'est pas retournée dans ce village? Qu'est-ce qui la retient? Maman, laisse Catherine tranquille. Elle a plein de trucs à faire en ville. Laisse-la. Tu vas maintenant. Hein? Tu la défends déjà. Au lieu de faire ce que font les autres hommes. Hein? Okutili, tu veux qu'elle devienne la personne qu'elle ne pourra jamais devenir. Tu lui laisses l'opportunité de te dire combien avait ton frère et combien il a maintenant. Hein? Tu es vraiment une honte. Hey. Un vaurien, toi. Maman, pourquoi tu dis tout ça? Juste parce que je t'ai demandé un peu de nourriture. Je te respecte juste parce que tu es ma maman. J'ai du respect pour toi. Mais c'est assez haut. Okudi, dis-moi. Qu'est-ce qui te retient ici dans ce village? Hein? As-tu semé de graines dans ce village? Ou des bouteilles de graines que tu attends de récolter avant de partir? Hein? Regarde vraiment tous les enfants de ton âge. Regarde-les vraiment un à un. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Maman, quand j'ai voulu partir à Ghana, c'est toi qui me l'avais demandé. Maintenant là, tu te plains. Regarde-moi où. Hein? Les autres partent en Allemagne, Angleterre ou États-Unis. Et mon fils aîné veut aller à Ghana. Simplement parce qu'il préfère la musique de là. Aller à Ghana. Hey! Deux fois, je commence à me demander si tu es réellement mon fils. Hey, maman. Le seul fils que j'avais, c'était Iketchukwu. Le seul fils que j'avais. Oh! Le seul fils que toi tu as eu, c'est Iketchukwu. Maman, pourquoi tu m'as montré tant d'amour pendant que tu n'as pas fait Iketchukwu? Écoute, maman, ton frère là qui était mort, qui est magicien, je commence à suspecter que tu étais dans cette même chose. Hein? Oui. Et je suis sûr que tu as eu à m'utiliser pour vos magies. Moi? Va demander à tes oncles ce qu'ils t'ont fait. Hein? Oui! Demande-leur pourquoi ils ont tué ton père et ont fait de toi son fils aîné un stupide. Demande pourquoi tu es un stupide. Maman, tu me traites de fou. Tu es vraiment stupide. Moi, je suis un stupide. Okudi, il est un stupide. Hey! Tu es stupide. Le chef des stupides. Maman, pour tout ce que tu viens de me dire maintenant, je vais voir maintenant mon oncle et je vais revenir à toi. Va les voir. Vas-y. Parce que je t'ai dit que j'avais fait, c'est ça. Va les voir. Tu viens m'insulter. Mais viens manger. Hein? Viens manger. Je vais les voir. Viens et je manger. À toi. Tu viens vas manger. Ok, tu verras. Passe, tu vas manger. Juste parce que je t'ai stupide demandé de que la nourriture. Tu es le numéro un des stupides. Ok, pas de quoi. Les stupides. Regarde-moi stupide comme ça. Oui. Kate? Oui. Bien. Oh, ma jolie. Tu te rappelles que ton mari me devait de l'argent avant de mourir? Eh ben, je le sais très bien. Il les avait documentés. Il te devait une somme de 2 millions 100 000 naira. Dès que tout sera rétabli en ordre, je te payerai cet argent. Merci beaucoup. Ok, ma jolie. Je sais. Je t'ai donné cet argent
Ça t'appartient. Oh non, c'était une grande somme que tu avais remis à mon mari. Non, je sais. L'argent que ton mari me devait, je te l'ai donné, ça t'appartient. Écoute, beauté. Spencer, je comprends quelle ta façon de m'appeler. Oh, ma jolie, tu ne comprends pas. Je t'adore. Je t'apprécie beaucoup. Si seulement tu me permets de t'avoir, je vais crier très fort et dire à tout le monde que le monde est dans ma poche. Spencer, ça c'est de la comédie. S'il te plaît, arrête ça. Kate, ce n'est pas une blague. Je t'aime. Oui, je te dis vrai. Je t'aime. As-tu réalisé que mon mari venait à peine de mourir et que tu fuis son meilleur ami? Ah, oui, je le sais bien. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'amour? Kate, écoute, l'amour marche avec les émotions, les sentiments. Tu sais, ce que je ressens pour toi est fort. Je sais, peut-être tu as besoin d'un peu de temps, ok? Je vais t'attendre parce que je sais que l'amour nécessite beaucoup de patience. C'est de mauvais augure, ça n'arrivera jamais. Écoute, Kate, c'est déjà arrivé. Je sais très bien qu'à l'intérieur tu m'aimes. Et moi aussi je t'aime. C'est tout ce qui compte. Écoute, comme une jeune femme, tu as besoin d'un homme pour prendre soin de toi. Tu as besoin d'amour dans ta vie. Tu as besoin d'un homme comme moi qui t'aime avec tout son cœur pour prendre soin de toi et te ramener à un niveau supérieur. Spencer. Je t'écoute, ma jolie. Spencer. Chérie. Va-t'en de ma maison. Maintenant. Sors de ma maison maintenant. Je t'aime. Agnès. Oui, ton fils. Agnès. Oui, ton fils. Où est mon fils? Tantine, il dort dans sa chambre. Hein? Il est en train de dormir dans sa chambre. Pardon, amène-moi mon fils. Ok, tantine. Pardon pour l'amour du ciel. Va-t'en de chez moi. Écoute-moi bien. Même si ça va durer, peu importe ce qui va arriver, je t'attendrai. Va-t'en d'ici! C'est bon. Tu sais que je t'aime. Sors de chez moi! Du calme. Je vais sortir, ok? Prends bien soin de toi parce que je t'aime. Bye bye. En toute franchise, c'est tout l'argent que j'ai recueilli en vendant la marchandise. Laisse tout ça à la part. Tu veux dire l'argent en total qui est cash, des 50 et des 90 millions de naira? Non, le total cash est de 21 millions de naira. Mais Ikechukwu avait fait un prêt de 1 million 500 naira. Ce n'est pas un problème. Tu mens. Je sais qu'elle ment. Elle a volé cet argent. Ah, maman, je n'ai pas touché à cet argent. Tu me traites de menteuse? Hein? Maman? Tu me traites de menteuse? Hein? Maman? Qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, arrête un peu ça. Que tu la croyes ou pas, arrête tout ça. Elle t'a ensorcelé. Elle t'a ensorcelé. S'il te plaît, arrête de pleurer. Hein? C'est fini. Écoute, il y a quelque chose que je veux que vraiment tu saches. Premièrement, merci d'avoir emmené l'argent. Et je sais que je peux te faire confiance. Écoute, et je sais que je suis le seul proche de Ikechukwu. Ne t'inquiète pas, et cet argent-là sera partagé entre nous deux. Hein? Alors moi? Et alors Ucheji? Hein? Il y a aussi Madiebo. Donc, c'est vous qui êtes les proches de celui qui est mort. Hein? Maman, est-ce que c'est vous qui êtes les héritiers? Excuse-moi. Kate. Je t'aime beaucoup. Je vais te prendre au mariage. Okudeli. Oui. Je ne peux pas te prendre au mariage. Je ne peux pas. Kate, notre coutume ne sera pas contre. Mais écoute, on va se marier religieusement.
On ira jusque devant un homme de Dieu. Dans une grande cathédrale, je te dis. Une grande cathédrale chrétienne, s'il te plaît. Okudeli, je ne t'aime pas. Ça ne peut pas marcher. Et alors, tu dois partir. Qu'est-ce que tu cherches ici? Si tu ne veux pas l'épouser, tu pars. C'est juste pour l'amour que j'avais pour Ikechukwu et pour mon fils. Pas. Quitte ma maison. Oh, écoute un peu. L'amour que tu avais pour Ikechukwu qui est déjà parti. Donc tu ne peux pas transférer cet amour-là à moi. Tu ne peux pas juste te chanter un peu cet amour pour moi. Et que fais-tu encore ici? Alors tu dois partir. Va-t'en, va-t'en. Maman, pardon. Maman, pardon. J'ai toujours voulu que tu partes. Et voici une occasion. Maman, et je ne suis pas ta mère. Est-ce que j'ai l'air de ta méchante et feinte mère? Non. Hein? Non. Absolument pas. Même pas un peu. Il est temps. Oui. Tu dois partir. Ce n'est pas ta maman. Pas. Et elle ne se ressemble pas de tu pars. Laisse-la partir. Elle est censée. N'importe quoi. Regarde comment elle est. Martha, la femme de Ikechukwu est venue se plaindre. Elle nous a dit que vous lui avez demandé de partir aussi longtemps qu'elle n'a pas encore terminé à pleurer son mari. Est-ce vrai? Oui, ah, c'est la vérité. Oui. Mazenyu. Oui. Elle doit partir de chez nous. Je voulais la prendre en mariage. Elle a refusé. Alors, qu'est-ce qu'elle reste à faire ici? Elle doit partir où? Pourquoi devrait-elle refuser? N'est-ce pas notre coutume et tradition? Oh, demandez-lui. On m'a dit qu'on sache d'abord pourquoi elle a refusé. Ma femme, pourquoi tu as refusé d'épouser Okudile? Mes anciens, je vous salue. Je ne m'élève pas contre la tradition. Vous devez aussi tenir compte de mes sentiments. Réponds directement à la question. Oumadi, s'il te plaît, laisse cette femme parler. Ma femme, s'il te plaît, continue. S'il vous plaît, mes anciens, pardonnez-moi. Je ne peux pas épouser Okudeli. Hein? Je ne l'aime pas, il n'est pas de mon goût. Et même si je me marie à lui, il ne sera pas heureux. Ne va pas loin. C'est bon. Comme tu ne veux pas l'épouser, veux-tu partir? Pour l'amour que je porte pour Ikechukwu, je ne supporte pas qu'un autre homme me touche. Heya! Je ne veux pas m'en aller. Je veux rester et prendre soin de notre fils. Tu es une grande femme. Il n'y a aucune comme toi. Ego, je savais que tu allais la soutenir. Okudile, elle doit rester. Et tu dois prendre soin d'elle et de son fils Ikechukwu Junior. Moi? Oui. Elle a un enfant et son enfant ne peut pas vivre ailleurs. Comme elle a dit qu'elle ne t'aime pas, donc elle ne peut pas t'épouser. Cherche-toi une femme. Les coutumes et les traditions changent. Nous sommes plus à cette époque où on forçait les femmes à épouser les hommes qu'elles n'aiment pas. Cela a été notre décision. Au revoir les anciens. Toi, écoute-moi bien. Je te montrerai le feu. Je te brûlerai avec le feu. Tu ne veux pas partir? Tu peux rester. J'utiliserai ma bouche pour te cracher dessus. Je t'apprendrai. Et quand tu en auras marre, tu partiras. Tu le verras. Écoute, on va se marier. Ou tu pars de chez nous. Waka. Les clés de la voiture. Les clés, j'ai dit.
Je veux plus te voir rouler cette voiture encore. Je veux plus te voir dans cette voiture encore. J'espère que tu m'as compris. De préférable que ce que je suis devenue. Kate, les moments difficiles ne durent pas. Ça va passer, ma chérie. Et quand va arriver la fin? Jusqu'à quand? J'avais prévu de retourner à Lagos, mais ils m'ont demandé d'attendre jusqu'à ce que les rituels prennent enfin. Je ne pense pas tenir les coups avant que ça n'arrive. Non, non, Kate, tu ne mourras pas. Non, Kate, tu ne mourras pas. Je te promets, je veux te voir de temps à autre. Non, ne pleure pas. Et que tu viens me prendre avec toi, je vais m'en aller. Ça, je veux dire ça. Et si tu mourrais, qu'est-ce qu'elle est arrivée à Junior? Ike, Chuku. Ike, Chuku, pourquoi m'as-tu abandonné? Ike, Chuku. Pourquoi? Fais confiance à Dieu et tu t'iras bien. Ça va, ça va, Kate, cesse de pleurer, tu t'iras bien. Alors, Kate, maintenant que Radness n'est plus avec vous, comment tu fais avec Junior? Je me débrouille. Oku Deli Chuku, je ne sais pas pourquoi tu dois parler d'acheter une voiture quand il y en a plein ici. Tu ne trouves pas qu'il y en a plein, hein? Il est juste question d'attendre jusqu'à ce que le deuil sera fini. Après, tu pourras acheter une voiture de ta préférence. Que j'attende juste que tout ceci va finir. Eh non, il reste combien de temps? Hein? Ce qui doit te préoccuper maintenant, c'est l'idée de pouvoir te marier. Comme cette sorcière dit qu'elle ne veut pas t'épouser. Et qu'elle ne t'aime pas. Je vais voir, maman. Pardon, cesse de pleurer. S'il te plaît, je reviens à toi. Ne pleure plus, j'arrive. Oublie-la. Cherche une autre femme que tu vas épouser. D'ailleurs, il y a plein de filles dans ce village. Avec l'argent que tu as maintenant, aucune fille ne pourra te résister. Maman, Dieu merci, tu es devenue. Ucheji. Maman. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Ne fais pas semblant. Comment est-ce qu'on coudait les peut traiter quelqu'un comme s'il était une étrangère? En quoi est-ce que ça te concerne? Oui, ça me concerne. Attends, je t'en d'où tu viens. Je préfère une étrangère à sa place. Donc vous voulez la tuer, vous deux? Ouais, je veux la tuer. Oui. De préférence qu'elle meure. Hein?
N'est-ce pas mieux pour elle de mourir que de mener ce genre de vie? Laisse-moi vous prévenir que si quelque chose arrivait à Kate, vous aurez des comptes à rendre avec moi. Surtout toi. Toi, un stupide idiot. Maman, je veux la taper. Tu peux rien me faire. Non, écoutez-le. Laisse-la. Tu es trop petite, Uchechi. Tu es vraiment, vraiment petite. Oui, maman, je peux paraître petite. Mais que quelque chose arrive à Kate. Et je veux t'apprendre où est-ce qu'on en finit avec une mère comme toi. Comment petite-toi? Frappe-moi au coup d'élai. Frappe-moi au coup d'élai. Tu vas me frapper aujourd'hui. Et si je le fais, je vais te faire toute ta vie. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, tu as peur? Frappe-moi, non? Tu es tellement mauvais. Vas-y, tu vas te marier à elle. Vas-y, non? Non, au coup d'élai, non. Laisse-la. Avant qu'elle ne commence à danser la danse des esprits. Laisse-la. Toi, maman, tu vas payer tout le mal que tu fais aujourd'hui. Ah, dégage. Regardez-moi ça. Vous êtes sans cœur. Regardez-moi cette chose. Regardez-moi ça. C'est ça des bêtises. Donc cette fille est en train de citer mon nom partout. Elle cite mon nom partout. Ça sonne à la maison, je dois faire quelque chose. Ça me dérange tellement que je n'ai pas d'argent. Je dois trouver une solution dans l'immédiat avec la pluie qui va bientôt tomber. Je ne sais pas comment m'y prendre. I will never let you go. I love you. I've made up my mind to fall. Salut. Oui, salut. Ouais. Oh. Ah. Ikechukwu. Ikechukwu. J'ai vu Ikechukwu. Qu'est-ce que t'as vu? Oui, là-bas. Non, ce n'est pas Ikechukwu. Tu l'as vu dans tes pensées. Non, je l'ai vu. C'est pas vrai, non? Tu le sais, tu peux pas le voir. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu, maman. Mon Dieu.
Mon fils, maman. Mon fils, maman. Venez voir. Hey. Hey. Hey, venez voir. Maman, ça. Maman, ça. Mon fils, ça. Qui m'a fait ça? Ikechukwu. Venez voir. Mon fils. Les deux fils de mon frère. Mère. Hey. Mon fils, c'est mort. Mon fils. Ikechukwu, nos fils, c'est mort. Mon fils, c'est mort. Ikechukwu. Mon petit fils. Mon Dieu, je suis fini, mon Dieu. Mon fils, laissez-moi. Mon fils, que tu veux, mon fils. Mon fils est mort, mon Dieu, mon frère. Et que tu veux. Ikechukwu, pourquoi tu permets que je souffre comme ça? Tu avais promis que tu prendrais soin de moi. Ce n'est pas ça qu'on avait planifié. Notre combat pour le bonheur s'est écroulé dans l'eau. Notre bouteille d'amour s'est juste cassée. Viens me chercher. Je ne peux plus tenir toute seule. Kate, tu continues toujours à pleurer. Arrête. Je veux que Lien me cherche. Non, il va t'emmener nulle part. Pardon, viens, on y va. Pardon, il ne pouvait plus me laisser. Arrête, s'il te plaît, Kate. Arrête. Arrête de pleurer. S'il te plaît, je arrête, vais je pas t'en prie. Non, s'il te plaît. Il viendra. Il ne viendra pas te chercher. S'il te plaît, viens. Il devrait venir me chercher. Ça va, Kate. Pourquoi? S'il te plaît, je t'en prie. Arrête. Et que je veux. Allez, arrête. À quoi bon de faire partir il de ces gens? Ils m'ont pris mon enfant. Ils m'ont ravi que tu te. Lève-toi. Maman, je sors un peu. Ah. Je vais voir ma fiancée. Ok. Comment tu me trouves? Je suis bien habillée, non? Ça, c'est bien. Quand je vais rentrer, tu vas préparer pour moi. Tu vas manger. Tu vas faire les bébés soupes. Je vais voir ma chérie. Pardon, Ikechukwu. Maman, Ikechukwu, maman, je l'ai vu, je l'ai vu, Ikechukwu. Oui, je l'ai vu là-bas. Maman, c'est quoi? Chante tes pleurs. Non, je n'entends rien, je parle à papa de Ikechukwu. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe encore? Maman, je ne sais pas, maman. Maman, où est-ce que tu vas te mettre la main ici? Maman, aide-moi!
Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Bon après-midi. Oui, bonjour. Sœur, Ichechu m'a demandé de partir avec lui, c'est comme ça que... Ah, non, tu peux faire tout ce que tu veux. Pars à toi. Pars. Reste avec nous ou si tu veux, pars même. Fais ce que tu veux. Pars. Je suis venue te demander la permission. Mais c'est ce que je viens de faire, je t'ai permis. Va si tu veux, je pars. Sors. Merci, sors. Bye bye. Pour demain si tu veux. Et laisse-nous vivre ici. Avec Ikechuku qui nous suit partout comme ça. Il est en train de me déranger à tout moment. Hein? Laissez-moi faire ma paix. J'entends des pleurs. Les pleurs? Quels pleurs? Hein? Oui. Je ne sais pas. Oku Dile, pardon. Va chez Abayu Dile. Et appelle-moi Isengoya. Maintenant? Oui, maintenant. Attends. Je ne peux pas rester ici seule. J'entends des pleurs. Des pleurs? Oui. Ok. Va à la paroisse de corps du Christ. Oui. Appelle-moi Père Ijo. Le Père Ijo n'est pas en ce moment dans la ville. Il est parti en mission. Oh. Maman, tu dois te reposer. Viens, je t'emmène à l'intérieur. Viens, tu dois te reposer. Repos? Viens. Une maison. Viens voir, s'il te plaît. Viens. Dans la maison. Sois tranquille, hein. Sois tranquille. Viens te reposer. Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ikechuku, j'ai vu Ikechuku derrière. Quel Ikechuku? Ikechuku va me tuer. Il a un couteau et il va me tuer. Ne me dis pas, je suis toujours ton frère. Pardon. Ikechuku. S'il te plaît, ne me tue pas. Pardon. Qu'est-ce que je t'avais fait? Je suis ton frère, ne me tue pas, je t'en supplie. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me tue pas. Ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Je vais te tuer. Pour que je sois le héritier de tout. Et quand je te tuerai, je prendrai aussi ta femme. Et je serai directeur manager de toutes tes compagnies. Non, ne me tue pas s'il te plaît. Au revoir. Hey, Ikechuku. Ikechuku. Tu m'as tué à cause de mon argent. C'est toi qui as tué mon fils. Qu'est-ce que mon garçon innocent t'avait fait? Ah.
Pourquoi devrais-tu tuer mon garçon innocent? Très bien. Pour avoir tué l'enfant innocent à cause de la haine que tu as pour sa mère, tu vas souffrir et la mort sera très loin de toi. Non, mon fils. Aie pitié de moi. Pardon. Et pour toi, au coup d'élé, c'est lui qui tuera l'autre pour vivre. Il aura la mort comme récompense de ses péchés. C'est lui qui tue par l'épée devra mourir par l'épée. Catherine, mon amour, je veux que tu quittes cette maison. Tu as tant souffert pour mon amour. Il n'y a aucune femme vertueuse plus que toi. Tu trouveras la paix, l'amour et la réjouissance si tu débutes une nouvelle vie. Que Dieu soit avec toi. Je t'aime. Quand est-ce que tout ceci prendra fin? Hey! Mort, où es-tu? Viens me chercher. J'ai besoin de la mort. Oh. Que la mort vienne me chercher. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je suis tourmentée par des cris de bébé tous les jours. Oh! Ça, c'est trop pour moi. Venez me tuer. Où es-tu? Maman! Où es-tu, ma fille? Tu es encore vivante. Où es-tu, ma fille? Hé, hey, maman! Ma fille, aide-moi. C'est trop tôt pour pleurer. Après tout, tu as tout détruit toi-même. Mon souhait est que tu meurs sourd et muet. Là, tu vas chercher qui t'enterrer. Où es-tu? Maman, tu es devenue sourd et muet. Hein? C'est bien fait. Sorcière. Après que j'ai quitté le village, la sœur Uchichu et moi étions restés ensemble. Elle m'avait demandé de venir habiter avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde des jumeaux. Et pendant le même mois,
Maman avait finalement trouvé la mort. Nous étions obligés de l'enterrer. C'est bon, Kate. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Tu as assez pleuré. C'est bon. Tu sais, maman, il y a d'autres femmes qui se comportent comme si elles provenaient directement de l'enfer. S'il vous plaît, essayons d'être heureux. D'ailleurs, j'ai une très belle surprise pour vous deux. Rappelle-toi, c'est l'anniversaire de Kate. Laissez-moi le débarrasser la table, je reviens. Maman, laisse-moi faire. Oh. Pas aujourd'hui, pas avant que tu n'accouches, et encore plus, pas aussi longtemps que tu seras ma belle-fille. Tu vivais avant l'enfer, mais maintenant tu es au paradis. Oh bien, chérie, ne t'inquiète pas. Tu as de la chance parce que nous, dès là, nous resterons toujours près de toi. Merci infiniment, maman. Pas de problème, ma chérie. Merci. Oh, un instant, je reviens. I cannot live my life without your love. From the day I saw you, girl, I love you. From the day I met you, girl. Mesdames et messieurs, j'invite à présent monsieur et madame Bernard Wando à venir devant sur cette piste et nous dire une ou deux choses. Monsieur et madame Wando, un peu de bruit parce que ça va barder là. Merci MC. Merci. De la part de ma femme, madame Kate Wando, moi, Bernard Emeka Wando, j'aimerais remercier ma mère pour son amour et son attention, non seulement pour moi, mais aussi pour ma parfaite femme. Elle n'a pas seulement organisé cette petite manifestation, mais elle lui a aussi donné un cadeau de voiture. J'aimerais que toutes les mères traitent leurs belles filles comme leurs propres enfants. Comme ça, on aura un monde heureux. Moi et ma femme, nous disons merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Permettez-moi. Ouais, je vous en prie. Ouais, merci. Bien, merci encore une fois de plus, monsieur Bernard Wando. S'il te plaît, que penses-tu de monsieur Bernard? Bien, quant à moi, je pense que c'est un homme parfait et très gentil. Il est très aimable et d'ailleurs, il forme un très beau couple. Qu'en dis-tu? À mon avis, je dirais qu'ils sont faits pour être ensemble. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes tous venus dans cet endroit. C'est pour partager la joie avec les couples Nwandu que nous voyons là devant nous. À cet effet, nous demanderons très gentiment au DJ de nous balancer une très belle musique. Enfin que nous puissions nous éclater à mort. Abakia. Oh la 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 la. Les agacido. Everybody get in the groove, make you buckle your shoes. I'm a mini mood to bust some moves. Are you ready? Are you ready? If you don't say you sure, get on the floor, do what you like, hold somebody tight. If anybody wonder, you tell them say, Gini ye, gini ye, shake osi, shake osi. Because Oluwa bless me, oh, Fimile, yeah.
Merci, merci, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On vient juste de m'informer que notre buffet est déjà prêt. Alors, s'il vous plaît, je nous prie d'aller dans l'autre pièce pour avoir notre buffet. Donc, merci. I wanna see you shake your body. Bébé, tu m'as offert une carte. Oh oui. Pour celle qui est spéciale. Oui, tu es spéciale. J'espère que ce jour d'anniversaire te rappelle de beaux moments qu'on a eu à passer ensemble. C'est lui qui t'aime bien. Ike. Ike Chuko. Qu'est-ce qu'il y a? Ike Chuko. C'est Ike Chuko. Qui m'a dédié cette carte. Comment je vais dire? Non, ne touche pas. S'il te plaît, Kate, il faut pas toucher. Attends. S'il te plaît, ne touche attends. Pas. Non, ne touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Kate, n'aie pas peur. C'est juste de mes voeux le meilleur. Kate, parle-moi. Je t'aimais, mais ton mari t'adore. Et sa famille également t'aime. Parle-moi. Maintenant, je peux reposer en paix en voyant que tu as finalement trouvé la paix. La joie et la réjouissance. Et qu'on prend bien soin de toi. Joyeux anniversaire. Bye bye. Est-ce que ça va? Est-ce que tu l'as vu? Quoi? Ike-chuko s'est tenu là devant. Il m'est apparu. Kate, c'est bon. Mon Dieu. Ça ira, ne pleure pas. Cannot live my life without your love.